est parti des Chaumets. Parce que j'avais battu avec Titine, ça a été en déné, que ça avait chopé la pluie. 90 mm dessus quand même. Ça va être pressé. Les soleils, eux, ils sont heureux. La luzerne pousse bien. Vous voyez, on va pas pouvoir. Il y avait un petit peu de paille dans l'orge là, mais c'est impossible à ramasser. Vous voyez, la luzerne est bien implantée. De toute façon, le principal, moi, c'était de ramasser un peu d'orge et surtout la luzerne, qu'elle soit implantée pour 4-5 ans. Bon, vous voyez, bon, ça, il n'y avait pas beaucoup de paille. Hein. Et en faisant le compte, on a gagné environ 200 euros de l'hectare de grains d'orge ramassés. Et là, je suis parti déchaumer derrière le blé. Pour préparer ma taille, un héron. Eux, ils bouffent les mulots qui traînent parce qu'il y avait l'ancienne luzerne plus bas. Qui d'ailleurs n'est pas encore totalement détruit. Parce qu'on aperçoit au loin que il n'en reste. Pourtant, j'ai fait un hormone. Mais à moins que ça le fasse pas totalement, c'était pas évident. Mais bon, au moins le blé a donné ce qu'il a donné. Et vous voyez, la luzerne est bien implantée. Et je suis avec le jouet, le déchaumeur à disque. Bon, je grattais. En biais, si on faisait la pièce en remontant comme ça là, mais ça va pas. On va plutôt la faire en descendant. Parce que maintenant que j'ai changé les buses au pull, là la parcelle a fait 6 hectares 20. Je l'ai fait largement avec mon pull. Tandis qu'avant je faisais 4 hectares 60. Mais là maintenant on va pouvoir faire différemment. Parce qu'on aura moins de cours ici et là, ça finit en pointe là-bas, il faut mieux avoir les raccourcis là-bas que là à se faire chier, putain c'est un peu le bordel parce qu'on travaille, ça fait travailler en pente comme ça tandis que là on travaillera plutôt comme ça là. Ça sera toujours plus facile à travailler. Alors on va mettre le pont avant, on va changer de vitesse, deuxième grande. Et il va falloir que je trouve. Ah oh bah ouais, je vais pas m'emmerder. Je vais gratter. Ras le premier passage de traitement. Bon là, ça l'occupe pas. Hein. Je gratte. 2-3 cm peut-être. Vous voyez, j'avais un peu galéré à ramasser l'orge ce soir. On est le 3 juillet et le blé est fini de moissonner. Et là-bas, je vais attendre pour déchaumer. Ah putain, il y a quai de lièvre là-bas. Merde, je sais pas si vous les avez vus. Ils sont bien gentils les lièvres, mais quand ils mangent les tournesols, c'est embêtant. Voilà, il faudra qu'on fasse la guerre, mais merci la
réglementation. Hein. On peut faire élaguer que début août. Et comment on fait nous après pour faire les couverts? Si vous voyez, les batteuses ont commencé à plus pouvoir passer. Mais c'est marrant parce que dans les bureaux, vous donnez des réglementations à la con. Bon, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, ça. Parce que bon, même Titine là passerait limite en dessous. Bon, on colasse un peu parce que bon, forcément, il y a eu 15-20 mm pour nous stopper aux moissons. Mais bon, là, c'est fini. Je voulais prendre le déchaumeur à dents, mais les terres comme ça, là, si on les lisse en profondeur, ça ira pas pour le futur tournesol. Alors là, je déchaume léger. Hein. C'est vraiment histoire de peler, parce que vous voyez, ça pèle même pas tout le chaume. Mais ça, j'en ai rien à secouer. Parce qu'après, je mets à la volée mon couvert. Je vais peut-être attendre que ça naisse de la merde, là, parce que ça aussi, c'est de la connerie. C'est bien de semer aussitôt, mais moi, je trouve que c'est de la connerie. Je l'ai loupé l'an dernier. Entre deux blés, là, c'était une merde. Toute l'herbe avait foutu le couvert en l'air. Je vais pas dépenser du pognon pour faire chier. Et là, en grattant comme ça, je vais faire naître toute cette merde. Et puis après, bah, on verra bien. Hein. Ça sera plus utile de faire comme ça. Ça, c'est bien joli, mais... Et des fois, s'il traîne des cochonneries, bon là ça a l'air d'aller parce que il n'y avait pas trop de merde. C'était derrière le maïs qui avait donné 75 quintaux sec, derrière un tournesol pour essayer de combattre les régras parce que bon, on devient de plus en plus embêté. Ah bah, regardez le lièvre là-bas. Je vais vous zoomer. Là, il s'approche vers moi, regardez. Hop hop. Taïo ! Oh 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 ! Ça y est, tu vois, il m'a vu là. Parti comme une fusée. Il va me bouffer la luzerne, c'est le cochon. Là. Il va être heureux maintenant. Bon allez, on est reparti. En dessous là, et c'est la LGV qui a
qui a remplacé la partie. Alors du coup, on a fait des échanges, des remembrements. Ça n'a pas été tout seul. Vous voyez, ça fait un léger arrondi. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, là on voit bien les passages de presse. On fait les bottes de paille. Ça va tout droit, tandis que moi j'ai en arrondi pour suivre. Ça va remonter de la palisse et à suivre la luzerne. Et au moins, ça sera plus facile. Plus facile pour cultiver dans ce sens. On fera les raccourcis dans la partie la plus courte. Ça va pas trop mal. Et ça y fait une promenade de santé. Ouais, parce que j'aurais été tout droit comme j'ai semé le blé. Bon, ça là, je coupe à travers. En plus là, ça pose pas du tout de problème. Vous voyez quand même que après c'est la paille et moissonner. Ça a marqué un peu. Bon, c'est pas comme l'an dernier quand même. C'est l'an dernier, c'était vraiment la galère. Là, on est content d'avoir moissonné quand même, malgré que c'est pas une belle année. Mais bon, je pense que 2023 va falloir faire beaucoup plus attention, parce que l'engrais va être cher. Et malheureusement, les céréales sont peut-être pas si chères. C'est facile hein, pour faire la main d'avant bout de chien. Bon, moi j'ai pas d'inverseur, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. On pourrait dire que c'est le seul défaut du 1956. Bon, je vais essayer de vous tenir quand j'arrive à poser. Passage, c'est pas que c'est raide, mais...